Bonjour tout le monde, mon nom est Floralie Adam et cette semaine à TVC Info Weekend, je prends des nouvelles de l'organisme La Mi chez vous. Je prends aussi des nouvelles du Carrefour culturel Estacade et on parle techno avec Sylvain Caron. Bonne émission! Dans le secteur de Buckingham, on a un organisme qui aide les personnes qui se sont éloignées du marché du travail pour différentes raisons à retourner vers le travail en offrant des conditions un peu plus favorables pour ces personnes-là. Eh bien, cet organisme s'appelle L'Ami chez vous. Et on va prendre de ces nouvelles de cet organisme avec son directeur général Jean-Charles Pichereau. Bonjour. Bonjour. Et avec Philippe Cloutier, agent promotionnel. Bonjour. Bonjour. Dans un premier temps, M. Pichereau, pouvez-vous nous dire un peu plus là, comment L'Ami chez vous aide ces personnes-là pour réintégrer le travail? Alors, L'Ami chez vous propose aux personnes éloignées du marché du travail, donc ça peut être aide sociale, mais c'est aussi les personnes qui ont fait des AVC, qui ont des complications suite soit AVC, handicap physique, accident, cancer, qui font un retour progressif au travail. Donc, nous, ce qu'on leur permet, c'est d'avoir un retour à l'emploi de façon le plus normale possible. Ils font 35, 40 heures. Des fois, il y en a qui en font que 20. Ça dépend de leur rythme et de leurs besoins. C'est un retour progressif au travail. Et on leur permet non seulement d'avoir une diplomation au métier semi-spécialisé avec le centre scolaire de Cœur des Vallées et aussi d'avoir une attestation MAPAC au besoin. Donc, je vais vous prendre l'exemple d'une employée qui s'appelle Marianne, qui, au début, avait une paralysie partielle au niveau des membres mains et bras, que j'ai vu pleurer en sortant du travail. Aujourd'hui, elle chante en cuisine, elle a retrouvé toute sa mobilité. Donc, c'est une belle réussite, Marianne. Oui. Puis, dites-moi, dans votre organisme, qu'est-ce que les gens font comme travail? Alors, comme je vous disais, à L'Ami chez vous, on fait de l'insertion et de la réinsertion au 400B, parce qu'on a plusieurs plateaux, mais le 400B, c'est vraiment le plateau d'insertion et de réinsertion. Ils font de la cuisine traditionnelle avec le plus souvent des matières locales. On travaille avec les producteurs locaux. Ils transforment, on fait des sauces à spaghettis qui est grand vendeur. On fait du général Tao. Tout est fait recette maison, 100% maison. Donc, on essaie de vendre des petits plats congelés, soit individuels, soit familiaux. Les familiaux sont sur commande, mais individuels, je vous invite à aller regardez les informations sur notre Facebook pour avoir les tarifs. Donc, c'est 5,75 € le petit plat et 11 à 17 les plats familiaux selon vos commandes. On fait des potages, on fait des mets entremets et on fait des desserts. Oui, parce que si je comprends bien, il y a un volet donc d'aide aux personnes à réintégrer le marché du travail, mais quand ils font cette nourriture et que vous la vendez, aux gens, à la communauté, ça aussi, c'est une façon d'aider la communauté d'une autre façon. Exactement. On veut répondre à un besoin pour des personnes qui ont qui sont vulnérables économiquement, qui ne sont pas obligatoirement totalement démunies, mais qui n'ont pas assez de moyens pour se payer un repas, je vous dirais, normal. Donc, nous, on essaye de pallier à ça. C'est sûr que nous, nous vendons parce qu'on est un organisme d'économie sociale et solidaire. Et l'argent que nous recevons des petits plats et réinvesti dans l'organisme. Comme vous voyez, moi, mon salaire minimum à L'Ami chez vous, c'est 15 $. Ça permet de payer les gens mieux. Alors, c'est sûr que je voudrais encore plus, mais comme nous n'avons pas encore de soutien à la mission globale par le programme de soutien aux organismes communautaires qui est en cours, on vit grâce au CIT, contrat d'intégration au travail, qui est un contrat spécifique pour les personnes, notamment en handicap ou santé mentale, AVC par exemple, ou dépression majeure. Et j'ai des subventions salariales d'Emploi Québec. Sans cela, je ne pourrais pas faire fonctionner L'Ami chez vous. Oui. Monsieur Pichereau, vous nous parliez de Marianne. C'est un exemple d'une employée qui a eu un succès en étant à L'Ami chez vous. Mais on a aussi Monsieur Cloutier, Philippe Cloutier. Vous avez fait un certain parcours et vous y êtes encore à L'Ami chez vous. Pouvez-vous nous en parler de votre parcours là-bas? Dans le fond, pour une histoire simple, le parcours a commencé ça fait longtemps. Moi, ayant un TDAH, c'est un peu difficile de me placer dans les emplois, bien, étant donné que je ne suis pas atypique comme personne.
Donc, j'ai recontacté M. Pichereau quand il a offert, excusez-moi, quand il a offert un poste d'agent au développement et promotionnel. Je l'ai contacté, on s'est parlé, j'ai montré mon CV, ce que je suis capable de faire, et ainsi de suite. Puis j'ai clairement expliqué, je suis comme, écoute, moi, je suis TDAH, ça peut fly de toutes les bords, mais je ne suis pas bon en arrière d'un bureau. Fait qu'on travaille là-dessus. Fait qu'il a fait, écoute, ça te tente, on peut t'engager, puis on travaillera là-dessus. Puis moi, c'est un de mes gros défauts qu'en arrière d'un bureau, comme tous les TDAH, oublie ça. Là. Les idées sont là, mais en arrière d'un bureau, on peut à la limite finir avec le temps par être déprimé et dépressif tellement que c'est pas notre. Notre tasse de thé, je peux dire ainsi. Là. Fait que depuis ce temps-là, ben, dans le fond, j'aide mon directeur, M. Pichot, dans le développement et la promotion de l'organisme. Parce que quand je suis arrivé en poste, il a fallu qu'on recommence beaucoup de choses, même M. Pichot. Il a fallu qu'on remonte la clientèle, il a fallu qu'on dise, regardez, là, on est des nouveaux, on revient en force, on s'améliore, on standardise tous nos produits pour qu'il y ait de disparité dans les produits parce que des fois, ils ne coûtaient pas la même chose. Donc, je développe, avec les feedbacks des clients, je développe des moyens actifs pour réussir cette mission-là, si on veut. Puis, je développe aussi des ententes commerciales à petite et moyenne échelle avec, exemple, que ce soit avec le gros dos, projet chez nous, un dépanneur, avec potentiellement d'autres grands joueurs. On vise aussi potentiellement des détaillants plus gros, si je peux dire ainsi, sans nommer de nom. Oui. Parce que le but, c'est, moi, j'y crois, le but, c'est littéralement pour aider les gens, oui, le manger, mais il y a aussi pour nos employés une question de salaire. On ne se cachera pas, là, à 13,75 de mémoire, le salaire minimum, tu aurais beau faire 40 heures, 50 heures, tu n'y arriveras jamais. Puis on a déjà été là comme étudiant sous salaire minimum. Fait que là, on vise à toujours vouloir maintenir ça à 15 $ de l'heure, mais là, on est en train de faire les démarches à, comment je pourrais dire ça, à plus dépendre des subventions parce que c'est un peu difficile en ce moment. La COVID, puis se faire connaître et développer les choses. Là. Mais ouais. On est en train de développer beaucoup de choses. Mais ce que je comprends, c'est que vous faites une bonne équipe ensemble. Hein? Monsieur Pichereau, ouais. Monsieur Cloutier, vous semblez bien vous entendre. Mais est-ce que vous vous connaissiez déjà, parce que vous semblez dire qu'auparavant, ben, en fait, Monsieur Cloutier, vous avez dit que vous l'avez recontacté. Donc, vous aviez déjà travaillé ensemble? Ben, indirectement, c'est qu'on est allé à l'université. On s'est connus à l'université. Ah. Moi, j'avais d'autres projets quand je travaillais pour le ministre Lecomte. Je suis allé le revoir. Puis depuis ça, là, ben, on se reparle. Puis c'est moi que j'ai su qu'il y avait un poste que j'ai appliqué dessus et qu'on se connaissait. C'est bien parce qu'on connaissait chacun les forces et faiblesses de un, fait qu'on ne pouvait pas faire comme « Ah, surprise en 3 mois! » Non, non, tu le sais. Puis c'est une place où vous vous sentez bien. C'est que malgré votre différence avec votre TDAH, vous sentez que vous avez votre place à cet endroit-là, hein, M. Coutier? Oui, parce que, tu sais, on ne se cacherait pas de façon générale. Tous ceux qui ont des problèmes de santé ou neurologiques, peu importe, dans la société, de façon générale, si oui, on dit que c'est bien vu, mais on ne se cachera pas, là, c'est encore difficile pareil. Fait que moi, avec toute ma gang, mais il n'y a pas de jugement. Fait que tout le monde, parce que tout le monde sait c'est quoi avoir été, en parenthèse, magané, si on peut dire seulement comme qu'on se dit. Fait qu'on sait tout c'est quoi. Fait qu'il n'y a pas personne qui juge, au contraire, on en rit plus qu'autre chose. Puis on se taquine plus souvent qu'autre chose. Fait qu'il n'y a pas de stress, il n'y a pas de jugement, puis de valeur, de personnalité ou quoi que ce soit de même. Là, c'est vraiment. La table est mise pour que ça soit justement facile et simple, je peux dire ça comme ça. Là. Oui, absolument. Combien il y a d'employés en terminant à l'organisme? Plusieurs, en tout et partout? Oui, ben, je veux dire qu'on en a 7 réguliers, mais on peut avoir des gens aussi bénévoles. Ouais. On a des gens à temps partiel, donc je veux dire une bonne dizaine. Là, OK. Donc, parce qu'on a d'autres plateaux. On a, par exemple, le 121 Trésor où j'ai une monitrice cuisine. Qui a commencé au 400B, mais qui est partie là-bas, monitrice cuisine. Donc, 121 Trésor, ils font de la cuisine avec des jeunes handicapés, soit santé mentale ou déficience physique. Ouais. Et j'ai une monitrice aussi à la cafétéria de l'école Sainte-Famille à Turceau. Et j'ai une autre cuisinière au logement Outaouais, qui est une résidence pour aînés. Le 400B, c'est vraiment le plateau d'insertion, de réinsertion. Je vais insister, je vais faire du pouce sur ce qu'a dit Philippe. Au niveau de chacun, on a tous un vécu plus ou moins difficile. Donc, pour nous, c'est important, oui, d'en rigoler, on se taquine, mais il n'y a pas de jugement. Puis, on a tous notre place à la Michelle. Oui. Merci beaucoup à vous deux de nous avoir fait découvrir davantage l'ami chez vous. Et si on veut plus d'informations, on pourra vous contacter par téléphone ou même sur votre site web, là, c'est possible. Je pense que vous allez venir nous voir pour acheter des petits plats, Floralie.
Peut-être, peut-être. Merci à vous. À bientôt. Merci. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Puisque la vie culturelle a repris peu à peu dans les derniers mois et qu'elle continue à reprendre, on va prendre des nouvelles, nous, du carrefour culturel Estacade et par le fait même de la salle des Jardins. On va en parler avec la directrice générale Nathalie Charrette. Bonjour. Bonjour. Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a à surveiller là, dans les prochaines semaines? Parce que là, moi, ce que j'ai vu sur votre site web, ce qu'il y a d'annoncé, c'est un spectacle de Geneviève Leclerc un peu plus tard, hein, au mois de février. Mais d'ici là, est-ce qu'il y a des petites choses qui se trament? Oui, bien d'ici là, malgré la COVID, parce que c'est toujours dans l'air du temps, on a quand même essayé de préparer là, une programmation pour à partir de janvier surtout. Donc, on fera le lancement de cette programmation-là le 20 octobre. Donc, ce sera vrai dévoilé dans les journaux et un peu partout. Mais en attendant, on a quand même quelques artistes là, pour lesquels on peut annoncer dès maintenant les spectacles. Donc, on aura justement le 21 octobre une belle conférence spectacle organisée avec conjointement avec le Salon du livre de l'Outaouais. C'est une conférence qui met en vedette, si on peut dire, Jocelyne Saussier, qui est l'auteur du livre « Il pleuvait des oiseaux ». Oui. Dont un film, et du film, oui. Un succès a été tiré. Et c'est une conférence qui va être animée par Jade Monpetit, qui est animatrice à Radio-Canada. Et il y aura aussi deux artistes qui vont faire la mise en lecture de certains passages du roman. Il y aura aussi présentation de petits bouts de film, là, du film « Il pleuvait des oiseaux ». Et pour enchaîner avec cette belle activité, on présentera le film, on diffusera le film en entier la semaine suivante, le 28 octobre. Et pour les gens qui seront présents à la conférence, on vendra des billets à un prix réduit justement pour attirer des gens dans notre salle pour lancer notre série cinéma. Parce qu'on veut faire vivre aussi la salle en forme cinéma, format cinéma pour adultes. Là. Ça, donc, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, hein, d'ailleurs? Oui, ça me tient à cœur, le cinéma. Moi, j'aime bien regarder un film. J'ai pas besoin de regarder le dernier blockbuster, mais j'aime bien regarder un film le vendredi soir, jeudi soir. Je trouve que ça commence bien une fin de semaine. Mais j'ai pas toujours le goût d'aller à Gatineau ou à Hall pour aller en voir un. Donc, je me dis s'il y a un film qui est projeté dans le secteur Buckingham, ça peut être intéressant pour tous les gens de l'Est de la ville. Donc, on veut vraiment partir une série là, de projections de films. Là. Il y en a plein de bons films québécois qui ont sorti dans les derniers mois, qui ont peu. En plus, c'était projeté en salle, donc on pourra les projeter à la salle des jardins. Ce serait comme à toutes les semaines que... Bien, pour l'instant, on va commencer un petit peu plus mollo. Là. On va y aller aux deux semaines. On va voir c'est quoi l'engouement du public, c'est quoi leur préférence aussi. On va faire des petits tests. Il y a tout le volet cantine aussi sur lequel on veut s'ajuster. Tu sais, on aimerait se vendre peut-être un peu de boisson. Ça va faire vraiment une belle sortie. Quand on vise un public adulte, on ne vise pas nécessairement le sac de popcorn avec la grosse boisson gazeuse. Là, mais peut-être un petit peu ailleurs. Donc, ça pourrait être plateau de fromage, des trucs comme ça. Là, on vise vraiment une belle sortie d'adulte. Mais on veut aussi partir une série cinéma pour les jeunes, mais un petit peu plus tard. Là, on va peut-être commencer avec... en janvier, dans les moments où est-ce que l'école n'est pas encore commencée, puis que les festivités sont finies, puis là, on ne sait plus trop quoi faire avec nos enfants. Donc, on va peut-être en acheter un ou deux à ce moment-là. Et aussi, sûrement pendant la semaine de relâche, on va revenir avec le cinéma comme on en avait à l'époque. D'ailleurs, on l'a vu cet été, ça a quand même très, très bien fonctionné. On avait un film, là, Mon cirque à moi, on a eu 73 personnes en plein air, donc on était vraiment satisfaits. Donc, on voit qu'il y a quand même un besoin. Puis, donc, on veut vraiment créer des sorties autour de ces activités-là. Absolument. Cet été, d'ailleurs, vous en avez eu des soirées. Là. Vous me parlez de Mon petit cirque à moi, hein, c'est comme ça qu'il s'appelle le titre? Oui, c'est avec... voyons, Mon cirque à moi, je pense, oui. Oui, c'est Mon cirque à moi. C'est deux artistes. Oui. Patrick Huard, c'est avec Patrick Huard. C'est vraiment un très bon film. Et celui-là, vous aviez ça, mais vous aviez deux volets, là, je pense, au cinéma cet été. Vous aviez le cinéma. Oui, c'est ça, on avait un volet.
ce que j'appelle chaise de parterre. Là. Donc, c'est vraiment en plein air. Donc, à ce moment-là, on a notre grand écran gonflable qui est immense. Puis, on amène des haut-parleurs et tout ça. Les gens sont assis en plein air. Donc, on avait mon cirque à moi qu'on était capable de projeter. On en avait un prévu au parc entier qu'on est obligé de l'annuler à cause de la température. Puis, on en a eu un aussi au parc des Servantes qui était la déesse des mouches à feu. Donc, un film plus adulte. Puis, on a eu aussi un volet ciné-parc. Les trois étaient au parc Maisonneuve, parc Gilles Maisonneuve. Et là, on a essayé aussi des choses. On a projeté un film plus blockbuster, justement, le Wonder Woman. Donc là, c'était plus les adultes qui étaient dans le stationnement plutôt que des familles. Puis on a projeté Tom and Jerry, puis un film sur Lassie. Donc, on avait un peu de tout, puis on essaie de voir qu'est-ce qui attire plus les familles, qu'est-ce qui attire plus les adultes, puis comment organiser une programmation pour satisfaire tout le monde, mais qu'en même temps, on ait des gens en salle. Là, on veut projeter pour que ça vaille la peine. On a au moins une cinquantaine de personnes dans la salle, sinon plus. Bien sûr, mais c'est le fun, en effet, que vous souhaitiez continuer ça, même si, bon, on ne peut plus aller à l'extérieur, parce que c'est le fun, une formule ciné-parc, mais à l'intérieur, on a de la place en masse, hein, la salle des jardins. Oui, on a de la place, on n'a pas besoin de couverture, il n'y a pas de tamaringouin, donc c'est un autre type de sortie. Madame Charrette, on est en octobre maintenant, hein? Déjà, quand même, ça passe vite. Mais en tout cas, de mon côté, j'ai l'impression que je ne l'ai pas vu venir. Et ce sera donc l'Halloween sous peu. Est-ce que vous faites quelque chose du côté du Carrefour culturel Estacade pour l'Halloween cette année? Oui, on va organiser une belle activité. On se demandait, on a regardé plusieurs options encore là, parce qu'avec la COVID, puis... Il y a 2-3 semaines, rappelons-nous que les variants étaient plutôt présents. On parlait de 800-900 cas par jour. Donc là, on commençait encore une fois à se questionner. Est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose? Qu'est-ce qui va se passer? Tout ça. Là, ça commence à baisser un peu. Donc, on se sent un petit peu plus à l'aise. Les règles sont quand même assez claires aussi par rapport au passeport vaccinal et tout ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est une marche. On va dans un sentier, le sentier qui se situe en arrière du Tigre géant. Puis le petit bout là, qui finit entre le Tigre géant puis le parc Scolion, un petit peu plus au nord. Oui. Donc, là où il y a le petit gazebo. Là. Oui. Donc, les gens vont pouvoir rentrer par le Tigre géant. Le sentier va être animé tout le long. On a engagé une firme d'animation. Là. Donc, il y aura des fantômes, des zombies, toutes sortes de trucs, des grosses citrouilles, la boucane, là, des trucs, des machines à boucane qu'on a, du son. Donc, on veut faire vraiment comme un espèce de sentier hanté, si on peut dire. Donc, on veut faire vraiment un sentier hanté pour les jeunes. La clientèle qu'on veut, c'est les jeunes de 0 à 12 ans environ. On les invite à se costumer, évidemment. Puis, c'est un sentier qui est environ 600 mètres. Donc, c'est pas long. Ça se fait bien avec une. C'est asphalté. Donc, les parents peuvent venir avec la poussette, avec les enfants et tout ça. Il n'y a pas de problème. Puis, ça sera dimanche, le 31 octobre, qui est la journée de l'Halloween. OK, directement. Oui, la journée même, de 2h à 17h, environ 14h à 17h. On invite les gens à aller sur notre site web salledesjardins.ca, de réserver une plage horaire. Donc, on veut éviter là, qu'il y ait beaucoup de gens, mettons, à 2h, puis qu'après ça, il n'y ait plus personne. On veut plutôt étaler l'entrée-sortie des jeunes sur le sentier, parce que c'est quand même pas un sentier qui est large. Donc, il y aurait des plages horaires aux 15 minutes avec 25 personnes par 15 minutes. Donc, c'est facile, on va sur le site Salle des Jardins, on choisit l'activité, toutes les plages horaires apparaissent, on choisit l'heure qu'on veut, on se présente pour cette heure-là ou dans les minutes qui suivent cette heure-là. Puis, on espère à ce moment-là que ça va amener plus un flot continu sur le sentier. Puis, à la sortie du sentier, ben, la récompense, ce sera un petit sac de bonbons là, qui sera offert par les carrefours quasi-peu. On ne peut pas passer à côté. On demande aux parents d'amener des bonbons. Par contre, là, avant, la coutume, c'est on amène nos bonbons et tout ça. Là, on ne peut pas faire ça. Donc, Madame Charrette... Madame Charrette, merci pour ces précisions sur l'Halloween. On ira voir tous les détails sur votre site Internet. On se dit à bientôt et bon lancement de votre programmation d'ici là. Merci, bonjour. Parce que les technologies sont omniprésentes dans nos vies, on parle techno avec Sylvain Caron. Il va nous aider à y voir plus clair. Sylvain Caron, tu nous parles de quoi aujourd'hui?
Bien, aujourd'hui, c'est un sujet que j'affectionne particulièrement. Ce sont les logiciels à source ouverte, ou comme on dit dans le jargon, le open source. Oui. Donc, qu'est-ce que c'est ça, que cette bibitte-là? Eh bien, c'est un logiciel, dans le fond, qui permet à n'importe qui de le reprogrammer parce qu'on le dit, la source est ouverte. Donc, si quelqu'un veut télécharger la source, la modifier et en faire son logiciel, eh bien, il le peut, et ce, tout à fait gratuitement, je dirais à 99,9% du temps. C'est totalement gratuit, disponible généralement aussi sur une plateforme qui s'appelle GitHub. Donc, ce sont des logiciels qui sont vraiment performants maintenant. Et oui. D'ailleurs, j'aimerais souligner qu'on utilise un logiciel actuellement open source pour enregistrer l'émission qui est très connu parmi les YouTubers et qui s'appelle OBS pour Open Broadcasting Software ou ouais. Open Broadcaster Software, par exemple. Oui, et puis je reviendrai là, à ta définition là, de comme un logiciel que tout le monde peut utiliser, mais c'est à la base, vraiment, c'est à la programmation. En fait, c'est pas juste que tout le monde peut l'utiliser, mais tout le monde peut comme ajouter des choses, le reprogrammer. Exactement. Et c'est là que ça rejoint un peu, comme nous, la télé communautaire, bien, c'est la communauté qui donne gratuitement de son temps pour améliorer les logiciels. D'ailleurs, OBS, on y reviendra, on est rendu à la version 27. Donc, wow. Il y a quand même eu beaucoup de versions depuis les 15 dernières années. Là, je ne me rappelle pas exactement quand c'est rentré. Est-ce que ce serait un peu comme Wikipédia? Là, peut-être que mon exemple va être boiteux, là. Mais tu sais, Wikipédia, y a plusieurs personnes qui peuvent l'utiliser. C'est gratuit, mais en plus, bon, les gens peuvent aller modifier des textes s'il y a une information erronée. Par exemple, on est là comme communauté pour bonifier, en fait, ce qui est sur Wikipédia. Est-ce qu'on pourrait faire le parallèle ou pas? Absolument, on peut faire le parallèle avec Wikipédia parce que justement, tu l'as mentionné, il y a des erreurs qui peuvent se glisser dans la programmation ou des failles de sécurité ici et là. Et justement, les gens le voient assez rapidement, merci, comparativement à certaines entreprises qui font des logiciels à source fermée. Oui, les logiciels peuvent s'améliorer et ce, à vitesse grand V, grâce à la communauté. Et puis, s'il y a des programmeurs qui veulent s'intégrer, ils peuvent devenir aussi des contributeurs, non seulement des utilisateurs. Et puis, je te dirais, bon, on en a parlé la dernière chronique, le plus grand logiciel qui se trouve à être open source, c'est Linux. C'est un système d'exploitation qui est totalement open source. Et là, ça donne peut-être un peu, c'est là où Bob laisse un peu l'inconvénient, c'est que là, tout le monde peut faire une version. Donc, on prend ce qu'on appelle en anglais le kernel, le cœur, la base de Linux, et on en fait pratiquement ce qu'on veut. Et ceux qui en ont fait des versions peuvent se faire des sous-versions aussi par d'autres. Donc, on parle Ubuntu, qui est un logiciel que j'utilise actuellement. Et lui a certaines versions qui ont été faites par la communauté. Donc, ça ajoute des versions et des versions et des versions. Donc, Linux, il y a peut-être 200, peut-être plus d'itérations. C'est dur un peu à suivre, là aussi. Ouais. Il y en a des nouvelles, il y en a qui partent, il y en a qui sont supportés, il y en a qui ne sont pas supportés. Ça devient assez complexe à suivre, mais il suffit de trouver son logiciel qu'on affectionne particulièrement. Oui, puis parce que là, tu dis Linux, tu dis OBS, c'est quand même des logiciels qu'on n'utilise pas, bien, qu'on peut utiliser à tous les jours, oui, là, dépendamment de notre domaine. Mais disons qu'on va vers un logiciel de traitement de texte. Okay, il y a beaucoup de personnes qui peuvent connaître Word, par exemple. Oui. Si on fait la comparaison, Word, c'est un logiciel à source fermée, si je comprends bien. Exactement, et très plus que fermé. Les logiciels de Microsoft comme Windows sont à source très fermée. On protège jalousement notre source avec des copyrights. Et bien en est celui qui va essayer de décoder ça et de le refaire. Les avocats sont là, sont prêts. Donc, il n'y a personne qui pense à refaire ça. Par contre, on peut en faire des alternatives. Ce qu'on appelle dans le milieu, ben, c'est des alternatives. Donc, on a, par exemple, le plus connu qui vient souvent avec
en téléchargement avec Linux, ben c'est LibreOffice. Donc, celui-là est disponible, assez compatible, je dirais, à 99%. Quelques petites choses qui peuvent arriver là, dans certains documents Word, surtout les dernières versions. Donc, c'est amélioré constamment. On a OnlyOffice, OpenOffice. Il y en a beaucoup de suites qui sont compatibles avec les produits Microsoft, justement parce que ce sont les plus utilisés dans le domaine et on n'a pas le choix de passer par là. Mais il y a plusieurs façons d'avoir des logiciels qui sont très performants et puis qui peuvent aider justement ces personnes qui n'ont pas nécessairement les moyens de payer des abonnements ou des logiciels entiers qui sont, bon, on parle de la suite Office, c'est quelques centaines de dollars, ou en abonnement Microsoft 365, c'est quelques dizaines, voire même près d'une centaine de dollars par année. Ça peut faire cher pour une famille ou pour des fois même des institutions, malgré que les grandes entreprises ont compris ça. Donc, il y a des forfaits pour famille, école et aussi entreprise. Mais ça peut revenir cher. Tandis qu'on fait le travail avec un logiciel gratuit et ça fait le travail et on économise aussi en même temps. On peut se bâtir un ordinateur totalement gratuitement, là. À part les pièces, bien sûr, mais tout le côté logiciel, on peut le faire gratuitement. Il faut s'y connaître un peu quand même. Et toi, c'est le cas, Sylvain, tu te connais quand même bien en technologie. Moi, par curiosité, as-tu déjà contribué à un logiciel open source? Non, malheureusement, je n'ai pas ce talent-là de programmeur. Je pourrais, mais c'est qu'on dit en anglais, le learning curve, la courbe d'apprentissage est assez impressionnante, merci, pour être de calibre. Mais donc, je suis un fervent défendant, par contre, des logiciels open source. Mais c'est ça. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a certaines même grandes entreprises, on pense à Blender, qui est un modulateur 3D très connu dans le domaine, eh bien, c'est utilisé par des grands studios qui étaient tannés de payer des fortunes à d'autres logiciels pour justement les utiliser. Et souvent, eux vont contribuer et vont donner un soutien financier à ces organisations-là pour qu'ils maintiennent le logiciel. Merci beaucoup, Sylvain Caron, pour cette chronique et technologie. Moi, j'ai bien hâte de savoir ce qui va se passer dans les prochaines années avec ce genre de logiciel parce que de plus en plus de personnes sont compétentes en programmation informatique. On l'apprend même à l'école. Alors, merci et moi, je vous dis à très bientôt pour une autre émission de TVC Info, cette fois-ci en semaine. Portez-vous bien. À bientôt.